Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis un compatriote. En effet, je suis conducteur d'engin polyvalent. Je suis actuellement sur un site du côté de Moanda Bakumba sur la réfection des travaux de la route. Je voudrais ici attirer votre attention via cette vidéo jusqu'à ce qu'elle arrive à vous. Voyez-vous dans quel état les machines qui sont censées travailler pour faire la route Moanda Bakumba, regardez l'état des machines. Ça, c'est un chargeur. Regardez son état. Regardez l'état du chargeur qui est censé travailler. Regardez son état. Ça, c'est le chargeur. Regardez l'état du chargeur. Il travaille un jour aujourd'hui, 2 jours en panne. Alors, ici, vous avez la pelle. La pelle qui est censée faire le talutage. Voilà l'état de la pelle qui est censée faire le talutage. Regardez l'état de la pelle. Regardez vous-même l'état de la pelle qui est censée faire le talutage et pouvoir réaliser les travaux de la route avec les délais. Regardez vous-même, Monsieur le Président. Malheureusement, le Gabon continue encore via les mauvaises méthodes, la mauvaise façon de faire. Il y a eu une équipe du gouvernement ici, le ministre des Travaux publics est arrivé ici pour une visite. Il n'a même pas eu le temps de visiter les chantiers pour pouvoir poser les questions à ceux-là qui travaillent. Rien du tout. Il s'est arrêté à la base des Sino Hydro et après la base des Sino Hydro, il est reparti. Les conditions des Gabonais qui travaillent ici ne sont pas respectées, ne sont pas réunies. Aucun bulletin de salaire pour tous les agents de Sino Hydro qui travaillent. Ça, c'est un compacteur. Regardez l'état du compacteur. Ça n'a pas de frein. Ça travaille un jour, 3 jours au garage. Regardez l'état. Ça travaille un jour, 3 jours au garage. Voilà l'état des machines qui travaillent pour la réalisation des routes. Voilà. Voyez-vous? Donc, à un moment, il faut taper du poing sur la table. Parce que les mêmes habitudes continuent. Et vous voulez que l'on puisse travailler en respectant les délais avec des machines de ce genre? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis sur le terrain actuellement. C'est pas possible. Les conditions dans lesquelles les Gabonais travaillent ici ne sont pas dignes. Les Chinois ne respectent pas les Gabonais. Ils travaillent. Quand il y a intempérie, ils les mettent zéro. Ils pointent zéro. Quand la machine va au garage, il pointe zéro. Donc un conducteur peut se retrouver à la fin du mois avec 150 000, comme dans le mois d'avril où nous sommes. Regardez l'état. 150 000 francs à la fin du mois pour un technicien polyvalent. Monsieur le Président de la République, il faut taper du poing sur la table parce que avec cette façon de faire, votre image, vous avez la volonté de travailler. Malheureusement, avec ce qui se passe, voilà, ça c'est la route qui mène sur la frontière du Congo-Gabon. Les Cocos. Là, nous sommes entre Moanda Bakumba, plus précisément village Bidungi Bakamba. Voilà. Il licencie tous les Gabonais à n'importe quel moment. Sans raison, il licencie les Gabonais. Voilà, voilà les machines. Voilà les machines. Ils ont reçu des milliards, des milliards, des milliards pour la réalisation de cette route. Voilà l'état des machines. Et ils mettent même la vie des Gabonais en danger. Une machine comme celle-là, Monsieur le Président de la République, elle ne peut plus travailler à 40%. Ce n'est pas possible. Et au nom de la dictature, ils imposent les Gabonais à pouvoir aller mettre leur vie en danger.